Là où on me connaît, je dis, quand je donne 5 000 pour prendre un truc, même de 3 500, je laisse. Parce que moi, on ne me connaît pas à tout. Vous savez pourquoi? Rien que ne serait-ce que mon humour et mon lever du matin. Moi, je sais que c'est par là, au moins, on me conjure. Parfois, on dit que, oui, malgré tout, il n'y a que ça. Moi, je te dis, je te prends là où tu avais été fabriqué, avec 11 000 abonnés. Tu as pris nos gens à couper la levure, les grammes de sucre et consorts, comme pâtissier. Oui, comme pâtissier. Tu faisais des sorties avec, voilà, Dest. Tu te réveillais sur la couette avec Dest en faisant des petits bisous, hein, les lécher, lécher des langues. Et après, tu allais au tableau. Tu apprenais aux gens à couper de la levure pour faire des cakes. Et moi, étant donné que dans notre blog, nous avons des femmes avec des enfants. Ok? Tu faisais des directs. Un direct. Tu regardais toi-même. Tu regardais Dest. Il n'y avait personne. Parce que un direct, depuis des 6 mois, que 14 personnes. 14 personnes. Aucune réaction. Tu sortais sous la couette avec Dest. Quand moi, je suis allé te prendre chez Waro Sabala. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Tu sortais sous la couette. Parce que moi, je suis un visionnaire. Quand je dis, quand je vagouille, je lis plus la réaction des followers, comment ça se comporte. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le chien que tu nourris, et ça c'est vrai. Ouais, ouais. L'église a dit ici là que une seule cible et à une cible. Et cette cible-là, à chaque fois qu'il y a des psychoses ici sur la toile, son nom n'a jamais été prononcé, mais on veut toujours que ça vienne parler. Et il faut toujours trouver des prétextes. Hier encore, elles étaient encore en train de dire à Loulou qu'apparemment Loulou avait tiré les oreilles à Rêve. Vous connaissez l'histoire. Ils ont pris ça là. Malaxé, 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 malaxé. Ça veut dire, je vais vous dire, la télévision, ok, toute personne qui est allée s'asseoir à la télévision et qu'aujourd'hui, ça veut dire, tu es parti là-bas, là, tu as félicité madame la journaliste, tu as tout fait, tu as démontré au peuple de Facebook que oui, la TV de l'heure. Si vous venez dire le concours aujourd'hui, hein, il y en a encore des personnes là sur la toile qui essaient un peu de comprendre. Là où vous voulez. Tu n'es pas né pour être leader. M'engage ou quoi au belbe bio. Parce que tu m'énerves tellement. Une femme que j'ai valorisée ici. Oui, oui. Regarde là où tu ancres. Oh, toi, y'a bab, bab, bab. C'est toi qui viens raconter maintenant. Hein? La bombe de Nadège Bapa. Hein? Les enregistrements. C'est toi maintenant que tu viens expliquer. Wow, 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 wow. Et c'est toi qui crie haut et fort que oui. Wadib Mouani, tu manges l'argent. Voilà, tu ne fais pas ça pour rien. Nous t'avons compris depuis. Même toi-même, si tu es comme ça, avec Gloné, ça veut dire, ce que Gloné avait fait à Magina Kinkam, peut-être que toi-même, tu voulais le faire. Et c'est pour ça que vous êtes tellement associés. Regarde, moi, je vais vous dire la vérité. Toute personne qui est partie à la télévision, bouclée. Vous qui voulez jouer le label, bouclée. OK? Vous avez valorisé la télévision là, en vannant les autres. OK? Là, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Hein? Tu es déjà là. Tu fais meilleur plus que les directs, plus que ta patronne. Elles vont vite comprendre que toi, tu es là pour récolter. Tu n'es même pas là parce que tu conjugues visibilité. Donc toi, tu es celle-là maintenant qui peut venir parler que oui, quand tu étais là-bas, là, tu n'avais pas la visibilité. Donc tu partais là-bas là, pour avoir la visibilité. Alors qu'on est leader, tu vois donc. Tu vois? Non, mais je te dis, toi, on nous démontre que c'est un comportement de Tinda. Maintenant, tu veux dire aussi être la chèvre ailleurs. Oui, la chèvre. Tinda ou ne Tinda. Tinda. Et tu vois, quand tu étais en train d'expliquer ce qui se disait dans les voix, est-ce que tu regardais les followers? Tu étais ailleurs. Tu faisais comme ça la honte. Ça veut dire, tu veux créer pour que la toile, s'il soit vraiment pourri,
pour que toi tu gagnes, tu puisses gagner les sous dans la bétécologie. Non, on va pas laisser ça. Tu as valorisé la TV de l'heure devant nous. Tu étais là-bas là. Hein? Toi-même, on t'a valorisé. Tu avais les dents en l'air. Hein? En un basse. Hein? Toi-même, si comme ça là. Hein, tellement mari. Il y a souvent beaucoup de femmes là dit que oui, on a envoyé la vidéo à mon mari. Vous qui partez envoyer les vidéos à mon mari. Wow, wow, wow. Donc toi, tellement mari. Hein? Donc toi, il n'y a même pas quelqu'un qui envoie tes conneries là. Hein? Pour que ton mari puisse te conseiller. Posons-nous des vraies questions vivantes. La reine mère bio, là, je vais un peu te respecter en tant que, oui, mais déclaration boule, tellement mari. Dis-moi un peu. Salut de Bosson est où? À terriblement marié. Dis-moi un peu, beaucoup de femmes qui sont terriblement mariées. On dit que Monsieur Gaumont est là-bas là. Et je vais te dire, ça ne sert à rien de faire des captures d'écran quand de comment vous se sent viré ou casse-casse, arre ou casse-casse. Vous voyez, il a un peu disparu. Quand je mets là où il faut, pack, mes décapteurs disparaissent un peu. Vous voyez, les amers camères qu'on sort. Dès que ça veut faire un peu semblant, je sors une fois, deux fois, pack. À tout bout. À tout bout. Ok? Parce que moi, quand je parle, je manque. Les autres, quand eux, ils parlent, ils ne manquent pas. Ok? Tout pour eux, de comment vous voyez les clés, ils ne parlent pas bien français. Et comme ça, c'est là où ils veulent me contourner. Alors que, de comment vous voyez, hein, ne peut pas venir, Lolo vous dépasse, venez donc alors, Lolo, bipé, les Gloria, bipé donc alors, il veut vous faire comprendre. Moi, je suis un visionnaire. Ok? Moi, je suis un visionnaire. Moi, quand je fais mes framponnements en désordre, hein, écoutez-moi très bien. Concentrez-vous. Je rajoute beaucoup d'humour dans mes trucs. Donc, parfois, je vais comme ça, là. Mais quand je me concentre, est-ce que vous comprenez? J'ai beaucoup déjà fait là sur la toile. J'ai annoncé des couleurs ici. Vous-même, vous avez vu. Ok? Voilà. Je vais vous raconter d'abord une histoire. Maintenant, Bachot dit que quand j'invite quelqu'un manger, je viens parler. De un, je n'avais pas invité Dougoutigui. Je n'avais pas invité. Et je vais vous dire les Lolomagnan. Vous avez vu? L'autre, qui a la... Je ne vous manque pas. Lolo m'a dit, de comme je sais que Ahmed Kamel, c'est ton type, est-ce que tu peux accepter? Ok? Accepter. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand j'entends la bo, moi, je suis quelqu'un. Je suis là à la surface. Je suis celui qui a toujours dit, nous pouvons nous famponner là sur la toile. Mais quand nous nous retrouvons, ok, à terre, ok, buvons des coups vivants, rigolons même nos famponnements. Est-ce que c'est ma conjugaison depuis des années là sur la toile? Oui. Je suis même celui-là. Quand j'ai dit, mes soeurs, grâce à vous, moi aussi je profite derrière vous. Les autres ne conjuguent pas ça. Parce que moi, je sais. Dans un bloc, c'est les femmes qui sont plus vues. Il suffit seulement d'être, oui, hein, automanyanga, ta, hein, tu as un peu de l'humour, même si tu n'as pas été à l'école, chacun a son truc. Donc, j'ai compris que ces gens-là, quand ils n'ont plus de visibilité, ça se courbe. Ok? Dès qu'on recommence à parler d'elle, ça vient chier. Quand toi, la reine, je retombe sur toi, la reine mère bio. Quand tu es déjà là que... Wow. Regarde encore les images quand tu étais à la TV. Hein. Regarde encore les images. Oui. J'étais connu, tu avais des bio. Abba, agence matrimoniale. Ah, Banabas, ici. Je disais que voici. J'ai framponné les autres engages en prenant, pour exemple, toi, avec les talons, hein, comme, les mentons d'Avirel. Hein? Vous insultez les hommes qui se lèvent le matin, hein, et vous mettez au pantalon les amers camères, vous les conjuguez. Qui peut croire à vos choses-là? Hein? Qui peut croire à vos choses-là? Hein? Vous craignez avec les hommes, comme les biens et sots. Voilà. Bachot, que vous avez passé le temps à insulter ici, qui n'est rien. Parce que ça vient vous mettre 200 étoiles, même pas une tasse de café. Vous commencez à dire que oui, il avait raison. Voilà quand j'ai dit,
Hier, on disait encore c'est l'homme qui finit avec la femme. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui finit avec la femme. La honte de ça. La honte de ça. Tout juste pour faire plaisir à qui? À Mandiata. Que toi-même, tu as eu insulté ici. Hein? À faire ceci. Hein? Tu crois que quoi? Les gens ne sont pas bêtes là-bas. Hein? Moi, j'annonce toujours la couleur. Hein? Nous avons dit ici, hein, toi, quand tu fais tes conjugaisons là, hein, je suis ceci, je suis là pour le cap. Wow, 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 wow. Toi, tu crois, manga? Tu ne dors pas. Tu veux que te dise la reine mère bio? Là, je te donne encore ton nom. Je ne vais pas dire, ah, ah, parce que toi, tu es sa vie. À vie. À vie. À cause des étoiles. Hein? Tu ne peux jamais faire un direct sans épingler les commentaires, mettre de Saint-Saëns. Si c'est les quoi, là, vos histoires, là. Hein? La honte de ça. Vous discutez les étoiles. Qu'en font sa communauté? Hein? Elle travaille pour sa communauté, mais vous venez du cité. Hein? Vous venez du cité. Vous venez du cité. Tu viens, tu cries haut et fort, tu dis que oui, hein? Les Mayans sont venus s'abonner chez toi. Ben là. C'est la même chose que tu disais avec Magina Kinkam hier. Hein? Menteuse que tu sois. Tu viens dire que oh, j'ai bloqué 30 000 abeilles. Ah nous, Wama. N'est-ce pas, Bacho, Kimbo, Jumbo, t'avais framponné avec le mensonge, là. J'ai bloqué 30 000, 40 000 abeilles. La TV de l'air, tu étais là-bas, le dent en l'air. Oui, c'est ça. Oui, au calme. Tu viens là, hein, tu as tout essayé, la danse. Non. Tes lats sont positionnés au niveau du dos. Tu ne peux pas tourner les reins. C'est fixé. Une année, j'ai fait un tiercé. Ah ouais. Les gens, les stars que oui. En 2024, si Babou et Jomine est positif, ici à l'église, je vais valoriser ça. Vous avez vu la publication de Magina Kinkam sur ma page. Je frappe quand il faut frapper. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, je vous dis, les Lolomayans, soit, et les abeilles, soyez intelligentes. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis, hein. Vos stars-là ont créé leur communauté, laissé les histoires que oui, ça avait été fabriqué. Même Magina Kinkam dit souvent qu'elle avait été fabriquée par Warman. Warman ne réclame pas, oui, la reconnaissance à Magina Kinkam. Je n'ai jamais eu ça. Ok? Il y a pas, les élèves dépassent souvent les maîtres. Ouais. Tandis que toi, tu enseignes l'élève à l'école primaire, hein? Et lui, quand il finit l'école, il enseigne à l'université. C'est ça la TV de là. Et je vous dis, c'est une référence. Oh, ah. Toi, la reine mais bio, toi qui ne s'assois jamais. Oui, je t'ai vu à Paris. Tu t'es assise une fois. Je ne me posais pas de questions si on t'avait injecté les clous aux fesses ou bien des épingles. Mais là-bas, à la télévision. Tu étais assise, à l'aise, en remerciant madame la journaliste, que merci de me donner cette opportunité. Tant que quand tu étais là-bas, là, hein, tu étais à 200 personnes. Donc, allô-moi, tu veux te faire voir. Est-ce que tu as donc alors la finesse, voilà, de la Starmania? Tu forces. Nous voyons que bien, tu vois, quand les autres sont là, ça coulisse, hein, et Baba Kabo Monaco, hein, celle qui t'avait reçu, hein, à Kabo Monaco, et ben ceci. Tu saoules les gens avec des écharpes qui ont déjà perdu de philosophie, avec les mêmes pulls, hein, tu viens laver les nids de cuche, hein, tu commences à salir ce qui t'avait rendu heureuse. Reviens bien hier de la Russie. N'adresse pas de la Russie. La Russie, c'est pas la télévision. Pourquoi vous voulez toujours? Ah non, je vous avais prévenu. De comment mougou est comme ça? Est-ce que de comment mougou tient des discours que ou conditionner les gens? De comment mougou lui fait, il vous dit, il fait sa thérapie, hein? Vous croyez que là où moi je suis là, j'ai le sourire au rêve là où je suis là. Mais là, au moins, peut-être qu'elle va rigoler aujourd'hui pour reprendre. Attends, oh!
Venez dire que ne prononcez pas mon nom. Comme le président Amora dit, comme ça va de gauche à droite. Ne, hein, en plus, ça, les bio vont perdre du poids. Kouda Kamta, Misana, Pak, Bebela, le Congo Libon de sang. Hein, à nos Waminke. Non, mais la reine, mais bio, tu me déçois. Tu me déçois. Hein? Donc, donnons donc alors raison aux abeilles que les abeilles disaient que oui, tu me payais pour que je les framponne. Alors que tu profitais tout juste, hein, c'est Kimbo Jimbo qui avait donné le nom premier ministre. Est-ce que tu m'avais nommé, hein? C'est pour ça, War Rose, à le coup d'œil, hein, et même quand tu venais même faire allusion à ça, hein, tellement tu aimes hausser tes épaules, alors que tu n'es rien du tout, hein. Ce n'est pas moi qui avait nommé, hein, c'est celui de Kimbo Jimbo avec sa grosse tête. Moi aussi, j'ai pris ça comme ça. Et tu crois que War Rose était contente de voir, d'écouter ça là, hein? Elle est partie me nommer. Dès que j'avais, elle m'avait appelé que j'étais nommé. Il a dit que, mais attends, tu vois ce que. Il dit, elle m'avait dit que laisse ça. Hein? C'est pas moi, je suis venu te sauver alors que tu bouffais le djangui. Hein? C'est pas moi, je suis venu tenir un discours parce que tu m'avais appelé au moins 500 fois. Répondant, 500 fois. Et je ne t'avais pas rappelé. Je réfléchissais comment venir te sauver. Et j'avais fait ça. Tu m'avais pas remercié? Mon discours, c'était quoi? J'ai ton portefeuille, les jours ouvrés, de lundi à vendredi. Et comme War Rose a le gouvernement de la joie, ça m'a coûté quoi? Hein? Tu prends mon argent, tu ne peux pas donner à la responsable. Et en que temps, de comment Mugwe est sali derrière. Et toi, tu veux venir d'ouvrir? Hein? Pour dire que, oh, j'ai dit, on ne touche pas à la télévision. N'importe comment. Quand la télévision n'a rien fait. Allez framponner les gens qui vous prononcent de gauche à droite. Madame la journaliste a parlé à sa sœur la dernière fois. Vous avez pris sa sœur à sa jusqu'à. Tu as rien, non? Hein? Oh, la grande sœur a liquidé la petite sœur. Hein? La grande sœur a dit que oui. Hein? Oh. Et aujourd'hui, vous venez la bande de Mbunga. Thomas Fassi, tu vois les photos que tu publies là. Je suis tellement viril. Viril. Et non seulement, si tu veux entrer dans ça, ok, de comment Mugu fait des beaux enfants. Des beaux enfants aux yeux revolver là. Tu les as confirmé ici. Oua. Ok? Voilà. Mais quand je vois ta morphologie, des personnes dérangées, ok, j'aimerais aussi voir, ok, comme vous êtes là, vous traitez des êtres humains, hein, camion rouge, ngosa, big up, hein, vous traitez les êtres humains, voilà, ou alors, Inès, big up, bon dimanche, écoutez-moi très bien, moi je vous dis, vous êtes une bande de neuses, et vous allez passer le temps à être des tinda, donc, bah, tu es tinda, oh, à vie, Tinda. Donc toi tu crois que Mandiata, elle est mendiante. Voilà. Et toi aussi tu vas aller profiter de ça comme tu voulais venir profiter de l'Elomanyang. C'est ça. Vous discutez la souffrance. Hein? Vous traitez une personne de rien du tout. Mais les gens qui sont capables de faire tout ce que l'on a, hein? Vous voulez aller racler, hein? Et vous voulez aller rafistoler. Et c'est ça qui vous fait mal. Quand Frédéric dit que oui, mes abeilles chou, c'est comme ça là. Allez aussi parler là-bas là. Vous discutez. Elle dit que son nom sort de gauche à droite parce que vous discutez. Marie Charine Dougou, big up. Je ne t'ai pas vu, tu sais parfois. Parce que ma doigt là souffre. Ouais, que Lolo Gloria, elle est dans dépression. Je ne vous manque pas. Ça, c'est la dépression. Regardez. Quand elle se met de côté, regardez les pouces. Et les poches ont des dos d'âne. Ouais, elle est fatiguée. Elle ne dort pas. La baronne, hein, Fleur de Lille, quand elle raconte souvent les vérités, en tant que star, elle dit quoi? Hein? Non, elle est dépressive. Ouais. Lolo Gloria, quand je dis je suis quitté dans mon pays, tête vide, c'est pas qu'elle ne savait pas écrire mon nom. J'ai compris beaucoup de choses. Quand je parle de Bertrand Soussomon, il dit, il n'est plus des nôtres. Il est la catégorie de,
de personnes ici qu'on met en état de nuire, on les injecte. C'est sûr, il avait subi ça. Parce que quand vous voyez le gars, même quand il veut décrypter, il prend toujours parti pris. Et je vous ai déjà expliqué. Donc celui-là, il n'a pas encore bien récupéré. Et vous allez peut-être voir son contrat là où il travaille là-bas là. Vous connaissez, il y a une catégorie de contrats ici. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Bertrand sur ce monde est dérangé dans la tête. Il dit, il n'est plus de nôtre. Non seulement il ne comprend pas les choses. Voilà. Parfois, il avait les abeilles. Et demain, il va venir là, il valorise la personne qui insulte Flore, ainsi de suite. Et donc, lui, il est comme ça. Comme apparemment, Lolo ne lui a jamais ouvert son cœur. Hein? Oui. Et donc, ça peut faire d'accoliser Mère Daloi. Que c'est vrai que Mère Daloi dépasse all les autres blogueuses. J'aimerais savoir avec quoi? Avec quoi? Hein? Disons-nous des vérités, il y a certains dossiers-là. Le nom de Lolo n'avait jamais été cité. Soyez donc alors maligne comme elle. Hein? Quand vous voyez une chose, hein? Restez soit aussi derrière. Mais vous voulez trop parler parce que, hein, la monétisation. Hein? Et quand vous êtes chuté, vous voulez que les autres viennent parler. Hein? Elle dépasse les autres avec quoi? Avec quoi? En étant chèvre comme ça, raquer les murs. Hein? Moi, elle me démontre qu'elle n'est pas leader. Elle blogue aussi comme ça. Elle rafistole de gauche à droite. Et comment je vais donc alors dire, la visibilité qu'elle vantait là, c'est sa visibilité? Non. C'est le aide-moi à détester, non. Mes gens. N'est-ce pas, c'est là où la TKC va s'installer quand décrisons la TV de l'heure, non. La TV de l'heure, c'est une référence. Ah, c'est une référence. Vous qui êtes allé vous asseoir là-bas, là. OK? Vous qui êtes comme ça. Regardez comment cette toile va changer de philosophie avec votre comportement là. Et vous allez rester dans votre merdier seul. Oui. Je veux mettre l'église ici. OK? Je veux mettre l'église ici pour valoriser ces femmes-là. OK? Sans trop faire allusion à vous. Quand elle-même est partie vanner Flore, hein? Elle quittait au Canada. Bah, 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 bah. Il fallait voir la soirée de Lady Bones. Hein? Elle ne voit pas ça. Hein? Elle voit pour les autres. Des femmes terriblement mariées. Hein? Faites comme les messieurs, les amotes. Nous voyons les images là, les terriblement mariées. Hein? Vous êtes sur Facebook, non? Venez aussi. Donc, vous voulez parler, dire quoi? Je vais même laisser Tomata de Paris. Parce que les watts, quand ça a dépassé son entendement, ça ne calcule même plus. Voilà. Toi, terriblement marié. Hein? Dis-moi un peu. Ton mari est dans quel état d'esprit? Il est dans. Non. Si et seulement ce que tu dis est vrai, ne me dis pas que les gens qui te veulent du bien, les gens qui ont compris que non, tu traverses une dépression aux crans, n'envoie pas quand même des vidéos à ton mari que parle à ta femme. Hein? Elle est en train de vous salir. Elle a que les murs. Tu montes dans la voiture. Tu montes. Hein? Regardez ce que Guita, Jean Bono, regarde, regardez, regardez. Anne Barbara, Anne Wamale, commandez de ça. Hein? Je suis resté comme ça là, mes gens. Je croyais que c'était un conteneur de Guita qui allait. Je vois un pauvre petit carton comme si c'était sa propre livraison. Amaou, ne me commande, s'il vous plaît. En passant à la TV de l'heure, ok, ne devait pas l'ouvrir. Des personnes où une fois on a donné l'opportunité de venir crever, hein, l'abcès, ok. Et aujourd'hui, hein, pour faire plaisir à une catégorie de personnes là où ça racle les murs, les étoiles, hein, la monétisation, hein, ça vient dire que wow, 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 s'il vous plaît. Adèle Boulay, big up, big up. Caressez vos jolis doigts, mes gens. Hein? C'est quoi ça? Hein? Et les poches ne font que sortir. Il dit que les poches, la reine met bio. Moi, on ne te manque pas. Je ne sais pas si tu t'es mis souvent avant de faire le direct. Mets les lunettes noires dorénavant.
Voilà. Et surtout, bien noir, comme pour notre père, papa, t'as là. Voilà. S'il te plaît, il dit que tes poches là. Quand j'ai un soin, les poches, je me posais la question. C'est quoi, c'est ma cana à belle poche. Je crois que c'était les poches, oui, sur les côtés. Elle n'a pas ça, hein. Elle a, ses fesses, c'est au niveau du dos. Vous connaissez la petite courbe là. C'est là-bas que les fesses de Baba sont positionnées. Reda, fixation bétonnante. J'ai dit, quand j'étais en train de la sauver à l'époque, hein, elle avait dit que mes bio là. Hein? Que tu as donc alors la finesse, qui te regarde même? Hein? Non, attends, la reine mère bio, qui peut, quel est le garçon, hein, qui a envie de faire jouir une gars, hein, peut prendre ta qualité, hein? Les billes de bois, regarde comme tout. Hein? Et tu dis que tu dépasses tous ces gars-là en tout. Avec quoi? Dis-nous un peu. Tant Fabricat, là où tu veux y encore venir pourrir notre toile. Hein? Imagine à quelqu'un munga bang bang bang. Tu es collé avec celle qui avait pris le nom de lui. Après, elle va venir dire que oui, propriété intellectuelle. Ah, nous, ma propriété intellectuelle. Wakunong, ils aient dué le nom de lui. Et c'est au criminel, elle s'est rencontrée que oui, c'est toi. Elle avait dit que tu lui avais donné l'échec, mais elle t'avait minimisé le couteau de ça. Le couteau, la honte de ça. Hein? Regardez-moi deux raquettes de nuit. Lorsqu'elle est là-bas, là, aucune forme. Vous êtes des patates du même sillon, c'est des oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Vous démêlez des Tinder. Hein? On peut faire ça. L'autre, vaut quelque chose là qui est au noir là. Hein? Qui dit que oui, on n'est pas dans ce cortège. Hein? Babala, les raclés des murs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vous lèchent sur WhatsApp. Dites-moi un peu, parce que moi, c'est vous n'avez jamais de main. Hein? Patricia Miel se fait caresser par les tokams, si c'est des poukams. Hein? Les hommes benab TikTok, hein, ça dit quand on les voit des vrais mâles avec des têtes comme ça là comme les anacondas, ils partent digiter les salons de coiffure à Château d'Eau avec les vraies femmes, hein, ça caresse le ventre, hein, à mes camères à Nebotokam, hein, et ben six. Comment le petit là qui a des la tête là comme Matt Bigot, bon dimanche, hein, ça m'énerve mes gens, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ici, c'est déjà ouvert les yeux aux gens même dans l'humour là, hein. Vous voyez les gens, hein, elles sont toujours là. Elles n'ont jamais fait aucun effort pour créer leur communauté. Toujours en train de venir ravir, hein, raquer les murs chez les gens. Hein? Tu vas voir donc que partez là-bas chez Ducamère. Tout juste pour se faire voir. Beaucoup sont venus ici, mes gens. Et en retour, c'est tout le compte. La honte de ça. J'ai framponné, grogné ici, framponné, elle était collée. Des femmes, hein, on dirait comme vous avez cuisiné les pâtes des chiens. Pas les pâtes des chiens d'ici, hein, du pays. Tu quittes au Bili, tu vas à Mokolo, tu peux crever ton chien dans une poubelle. Hein, vous êtes partout. Hein, vous êtes là. Toi, grogné, pourquoi tu supprimes tes directs? J'étais connu ici quand je suis allé. Je comprends. Vous avez frôlé l'église jusqu'à déborder les limites. Donc, Mingab, là où de comment vous dites que, comme vous dites que de comment vous êtes là-bas, là. Mingab, alors que j'avais prévenu ici que tout ce que vous voyez là, de comment vous avez fait quoi? Hein? De comment vous avez fait quoi? Abosé. Abou Twena, wo, Abou Cuisine Rouge, pac. Voilà alors Angoula qui vous a mis dormi. Et maintenant, apparemment, vous laissez même y'a de comment vous ridiculisez même déjà. Là où, Anouma. Franchement. Facebook. Et c'est comme ça aussi que les vraies personnes, même quand on peut fréquenter, sont salies, hein. Et les gens se méfient. Et vous allez voir, ici sur cette toile, quand on voit deux personnes comme ça, là, dans la joie, il faut venir tuer. Voilà. On va faire comment? Moi aussi, quand je vais rentrer, je vais faire un direct. Je vais parler à mes anciens fidèles, mes anciens membres. Voilà.
Nous allons faire comment? Mais ça, ok? Ça me vient du fond du cœur. C'est pas l'hypocrisie. Ouais? Et on dit même à celui-là que voici le direct. Monte. Ça ne monte pas. La deuxième fois, chez Nadège Bapa, monte. Ça ne monte pas. Monsieur, gros nez, tu fais un direct, tu framponnes ton vent bruit, qu'il est malhonnête, que c'est pas bien ce qu'il fait, mais, comme la stratégie, tu comprends? Il y avait bien une cible, comme toujours. Quand son nom n'apparaît pas dans les choses, voilà. Minda babababab. Félicie, j'aurais big up, bon dimanche. Donc, je vous dis, la reine met bio. Oui, tu es bio parce que tu as gardé ton temps. Parce que d'ailleurs, c'est là où tu avais été intellectuel. Parce que si tu avais essayé, parce que tu as un temps brut et une peau, hein, dure, ok, ça n'allait pas donner. Ça n'allait pas donner. Là, tu avais réfléchi. Mais là où tu veux y a trop se faire, voilà. Ok? Tu n'es pas celle-là. Obeki, ou à quoi nous toi, tu parles seulement beaucoup. Oui, tu es ceci, tu es retourné à l'université, ceci. Qu'est-ce qu'on a là? Ça t'empêche de te ridiculiser. Regarde comment tu te ridiculises. N'est-ce pas? On dit même souvent que, même, tu comprends, tu la boucles un peu. Ou tu es dans dépression. Il y a dépression et dépression. Il y en a qui vivent avec une dépression, ils ne savent pas qu'ils sont dans dépression. N'est-ce pas? Mais il y a une dépression qui t'amène là où toi tu es. Non mais je te manque pas, tu ne dois pas. Comment tu peux avoir ici? Hein? Et tu as une peau brute. Hein? Ou tu ne dors pas. La reine est bio. Dors un peu, non. Dors. Dors un peu. Ici, je ne te manque pas, la reine bio. Quand tu te places comme ça, quand nous voyons vide, hein, regarde ici, c'est en forme de dos d'âne, ça a des plis, les poses là. Hein. Si tu veux, je ne sais pas, va même prendre les seringues, tire ça. Hein. Il y a des Julie, il dit que c'est des poches, hein, c'est comme les poches de profusion. Hein. Dors un peu. Moi, je ne suis pas celui-là qui va vous amener en enfer. Hein. Moi, je vais vous sauver. Je vais vous sauver. Dors. La reine de bio, dors. Je te donne encore ton nom de bio, de biologique. Dors. Oubeli, mou wop, amis, mou wop, mou wop, ou toya, bop. Hein? Après, on va te voir dans la voiture avec ton écharpe là qui a perdu de philosophie depuis là. Hein? Et ce n'est même pas Bébélise, parce qu'il y a des paires de lunettes noires. Hein? Mais mon ami, moi-même, ma bébé, je vois. Si tu caches quelque chose, vous me connaissez même. Il y a une paire de lunettes. Hein? Donne un peu. Hey, l'autre chez sa maman, hein? Là où elle joue les bébés hollandais. Hein? Maman, j'ai envie de boire la soupe. Hein? Maman, est-ce que tu peux aller me chercher les vitamines, ceci? Anouama. Hein? Toi, tu es là. Hein? Ta télévision et toi. Hein? Bob. Tellement tu as aboyé ici. Que tu ne vas jamais quelque part pour rien. Hein? Hein? Les commandes. La reine me bio, pourquoi tu manques comme ça là? S'il te plaît, dors. Tu es en train de perdre la raison. Comment tu peux y dire que oui? Regardez ma peau. Regardez ce que Gluta Jambon me fait. Attends. Deux prises. Appelle deux prises là. Hein? Après, tu commences à dire que non, hein? Les commandes. Tu es dans la voiture, là. Je te prends dans 15 minutes. 15 minutes passent. Quack! Allô, mais les commandes de ça. Et après, je te vois, là. En face de ta télévision. Hein? Qui même y a démodé parce que, ici, la politique commerciale. Tu prends une voiture, l'année prochaine, elle est à démodé. N'en parlons pas. Tes choses, là. Hein? Hein, tu viens nous manquer un petit carton, hein, comme si c'était ta... Yébelgina Nathalie Babal, hein, Yébelgina, la femme charismatique, la femme ceci, la femme aux études, wow, Yéna, regardons alors ton comportement, hein, tu dis que tu n'es pas toutes ces femmes-là, enseigne-le, ouais, Anouama Nathalie Babal, hein,
Non, attends, on est star, hein? Mais mon ami, il y a des manières, hein, où on est toujours les mimba. Les voilà, les oques, c'est la coule douce, petit voyage, ainsi de suite, hein, où on est toujours ton frigo et toi, hein, terriblement marié. Je n'ai jamais vu, même moi-même qui fais les directs à la cuisine, on voit souvent l'ombre. Oui. Des gens qui passent, hein. On a vu l'ombre du mari, là. C'est moi, je te dis, il n'est plus. Vous voilà les mangiata. Hein. Parce que elle ne conjugue pas tellement mariée. C'est mon gars. Et une vieille coyote. C'est mon gars. Tandis qu'elle est là, c'est mon gars. Anouama. Son gars, apparemment, ce n'est même plus Thierry, c'est Thierry, mon frère, je t'avais prévenu, hein. Il y a un truc, Adidas. Si tu t'amuses encore, le gars, il est à Rouen. Tandis qu'on dit qu'il est à Rouen. Je vous avais dit, là, à Orléans. Le gars de Cluis. Thierry, je t'avais prévenu. Tu vas où? Waké. Maintenant, regarde. Ta voix est partout sur Facebook. Tu menaces. Tandis qu'on dit, c'est mon gars, c'est moi qu'on a choisi. Anouma, les choix de ça. Il a te dit que Lolo vous dépasse. Elle n'est pas heureuse. Chantal Chabda, vous-même, regardez. Hein? Elle ne dort pas. S'il te plaît, Nathalie Babalé, dors. Tu sais que on a Chris à Facebook, mais aussi leader. Les autres sont leaders. Elles ont créé leur monde. Ok? Et toi, tu ne peux pas te permettre d'aller mener les combats avec les autres, oui. Hein? Quand tu pars à fistoler les vues chez les gens, donc tu veux que c'est tout le monde qui doit venir te attendre. Hein? Pour commencer à faire ce que tu fais là. Hein? Parce que Mangia, t'as l'habitude, on vient toujours lui ravir la vedette. Hein? Voilà bon Jean Bono. Hein? Regardez. À un moment ici, Isaac a mis en train d'inquiéter. Voilà. Hein? Vous partez vous abonner. Vous êtes miné. C'est ça. Vous vous salissez vous-même. Les autres viennent se banquer comme la DES était venue. Hein? Les enregistrements. Pac! Vous êtes sorti. Je suis sûr qu'elle était persuadée que vous alliez sortir. Et maintenant, toi, Babal, boum, tu es sorti sur un moto. Vous va. La honte de ça. La honte. Oui, je n'avais rien à voir avec toi. C'est pas, on se connaissait pas. C'est Kimbo Jimbo qui avait mis le tir parce que j'ai framponné Flore. Oui, et comme tu étais tellement sur Flore, hein, un jour, j'avais dit, je comprends pourquoi, la reine mère bio te framponne. C'est pour ça, Kimbo Jimbo avait dit, et que le premier ministre de la reine mère bio. Là, tu comprends. Mais nomination, c'est Wardos qui me nomme en premier, voire suivi des Lolo. Aujourd'hui, ma dernière nomination, c'est quoi? Maréchal. Voilà, c'est Maréchal. La plupart de mes pages là, vous voyez Maréchal passe tout. Voilà. Hein? Il y a combien d'abonnés là-bas là? 11 kilos, non? 11 cas, non? Hein? Maréchal passe tout. Ah oui. J'ai des pages là, tapez seulement avec des commandes officielles, les évangiles selon ces deux coupes. Allez, il y a des abonnés là-bas là. Même sur mes comptes Facebook. Mais Jean, je ne passe plus inaperçu. Non. Ok? Partout. Oui. Et pas n'importe qui. Deux fois. Deux Européens. Je suis sur la voiture. J'étais manqué d'écouter mon propre direct. C'était à Château d'Eau. J'étais garé. Il est passé. Je vois quelqu'un passer. Je vois la personne revenir. Ta 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 ta. C'est toi, pilule gratuite. Ta 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 ta. Oui, mon épouse te suit. Ta ta. Si, c'est une vérité. Ah ouais. Il y a l'autre. Là où j'avais fait ma vidéo de danse là. C'était passé. Il fallait voir la grosse cylindrie. Ta, 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 ta. C'était venu me voir.
Hein? Ma femme t'aime beaucoup. Vous avez même vu là en commentaire hier. Yeah. Hein? Il y a Tantine, Tinette, un truc comme ça là. Hein? Elle a écrit quoi? Elle m'a vu. N'est-ce pas? Et elle a voulu faire demi-tour. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis connu. Passe plus, elle n'a pas ici. Au Cameroun, vous avez vu au Cameroun, à Mokolo. Regardez. L'humour. Il était dit qu'à Adèle Boulay, toi-même, c'est normal ça. C'est pour ça qu'on peut. Voilà. Donc, tandis qu'elle est là, mon gars, je vous ai dit. Parfois, elle vous dit qu'elle est là. Hein? Quand elle fait, qu'elle est, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Ça fait un bon bout, je vous avais dit, c'est, hein, une union de pacotille. Ma mère, que, voilà, elle frappe là. Je vous ai pas encore dit quoi ici. Hein? Ma mère m'appelle un jour, me demande, voilà, laisse ton frère tranquille, et tu m'attends. Il y a quoi avec, voilà, mon frère? Après, je pose la question, il y a quoi? Elle me dit, ton frère de Rouen. Je dis, mais quel frère de Rouen? Et je fais allusion, hein, au président de la réunion de Michel Essomba, que je vous dis souvent, quand il était ici, quand il voulait manger, la bouffe du pays, c'est ma mère qui lui faisait ça. Après, ça me dit, celui qui avait la fille Bassa. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, ça veut dire du côté de la cousine de ma mère, c'est un lien de sang. Si vous comprenez, à un moment, j'avais m'arrêté de taper sur Thierry. Oui. Et donc, ce que moi et Seba partis de là, c'était une union de pacotis. Est-ce que vous comprenez? Vous qui êtes même à Paris, il y a beaucoup de femmes comme ça là, qui sont avec les maigres. Ne dégage pas, hein? Non. L'eau que là-bas au Canada est fausse croc. Actuellement, qu'elle en peut l'appui de te casser. Voilà. Et comme ça prononce déjà la télévision, ok, elle va continuer dans la bête écologie. Véronica Mars, big up, bon dimanche. Non, c'est une histoire de ouf. Quand vous voyez deux vieilles peaux comme ça là, j'ai dit, reine mère bio, s'il te plaît, j'appelle encore ton nom. Ok, s'il te plaît, dors. Tu ne dors pas suffisamment. Tu ne dors pas. Hein? Tu passes le temps à unifier, hein, les bilans des gens, des autres, hein, de tes soeurs. Dors un peu, reine mère bio. Tu as déjà des furoncles aux yeux, en dessous des yeux, s'il te plaît, dors. Les poches là ont déjà, c'est-à-dire, les poches, s'il te plaît, dors. Moi, je vais vous sauver. L'autre là-bas, à Paris, il faut voir. Voilà l'autre. Tandis qu'on dit que de comment mourir vieux, pourquoi c'est à côté de maman, elle-même elle est là-bas. Hein? Adida. Hein? Maman, j'ai envie de boire une petite soupe. Je veux des yaourts. Je veux des ceci. Hein, no woman. Quels sont ces chocolats qui ne fondent pas dans la gueule? La qualité si. Hein? L'homme sera dans quel état d'esprit? Dans quelle dépression? Ça dit, tu trompes ton terriblement marié de gauche jusqu'à Kigali. Jusqu'à Kigali. La honte de ça. Ça veut dire que tu passes plus le temps dehors que dans ta chambre conjugale. La honte de ça. Et c'est toi qui aboies terriblement marié. Voilà Ngossa, non? Hein? Voilà Mandiata. C'est mon gars. Voilà son gars. Ça discute l'entente de partout. À Kinkole, Orléans. Et donc, j'allais faire comme ça, là. Si je partais avec mon petit frère Odé, là. J'allais partir trouver Thierry. Hein, avec, c'est mon gars. La honte de ça. Je ne vous manque pas. Toi, Mandiata, je termine par toi. Je vais te dire quelque chose. Tu comprends? Là, sur la toile, toi, alors, c'est la magie. J'ai passé le temps à dire que, aujourd'hui, tu as affaibli. Tu comprends? Voilà, tu es comme ça, là. Non seulement, tu n'as jamais été autonome. Tu comprends? Et je comprends. Comme tu es déjà affaibli, tout soutien t'arrange. Même le soutien qui peut venir te ravir la vedette. Tu comprends? Tu n'es venu ici, ni pour être bureaucrate, ni pour faire des études.
D'abord, on a tranché ton acte en deux. Parce que, Ngaba non bobimfin. Ok? Comme le filacte ici. Oui, oui. Femme. Hein? Il était dit que, mais, je partais là-bas, mon petit frère m'avait proposé. Quand il était venu laisser les enfants. Et vous avez vu, dans un de mes directs, hein, en commentaire, comme attendait là-bas. Voilà. Hein? Malo, Apoua, Biga, Biga, bon dimanche. Vous êtes comme ça. Ok? Et vous prenez tout soutien. Tout soutien. Il vous calcule pas. Et moi, je marche pas comme ça. Ouais, ouais. Si je suis à côté de toi, vous avez vu Kimbo Jimbo. Hein? Il passe le temps à vouloir se justifier. Dit que nous ne sommes pas amis. Non. C'est les amitiés de Facebook. Et c'est pas moi qui avait donné le nom Baume. C'est lui, le macrocéphale. Hein? J'ai dit qu'il vit comme un rat parmi, parce que son comportement là, voilà la fortune d'Ongo. Hein? Attends, la fortune d'Ongo, essaye un peu de me faire une demande. Fais-moi une demande. Vous allez comprendre. Voilà les hommes là sur la toile. Mes sœurs, mes calga, méfiez-vous avec des hommes là qui viennent avec des faux costumes, des cravates en coupe matière, des nez papillons en portefeuille pour venir vous bluffer. Non. Ok? Non. Il y a une catégorie d'hommes là. Ok? Quand ça te y a moins. Mais, ceux qui s'élèvent, hein? Ceux qui s'élèvent, ceux qui s'élèvent, pas, hein? Je le savais depuis le ventre de ma mère. Et comment faire pour rattraper vous les beaux? Et peut-être que vous dépassez, si vous êtes des raquets de nuit. Hein? La Rosita Yongo, big up, big up, big up. Non, parce que celui-là, il veut se justifier. Voilà quelqu'un, il passe le temps à draguer les femmes derrière. Je vais vous faire écouter le soir, le son. Tapi Baston, big up, big up, bon dimanche. Bon dimanche. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est lui qui avait été le premier refoulé de l'église, Antoine Bachobaya. Ouais. Gragué, l'enga. Et même l'enga, qui le considérait comme, l'oncle. Hein, ça refusait quand on, quand lui, il vient, il dit que, bonjour ma nièce. Hein, il dit ma nièce. Voilà donc alors, sur ses débuts, ma nièce. Et après, quand on répond, bonjour l'oncle. À mon nom, il vient me voir, Nibo, il me dit que, mais attends, hein, je suis son oncle, quoi. Hein? Ah, nous, Wama, il fallait voir. Non. Toi-même. T'es ça. Hein? Voilà, voilà, Tapi Baston. Écoute, Tapi Baston. Les données de leçons de Facebook, Antoine Bachot, regarde. Ça serait, il est dans un site. Ok? Avec le costume rose bonbon. Là, voilà les papiers de Longchamp. Et donc, ça tombe sur la fortune d'Ongo qui avait les poumons avec son mari. Vous connaissez les filles. Voilà. Hein? Quand la dépression monte, ça cherche un petit chocolat qui va quand même un peu apaiser. Donc, la fortune d'Ongo était aussi dans le site. Hein? Bah, je tombe, bam! Bam! La fille, la femme de cuillère à la douche, ça demande de mettre la caméra. Les voilà. Même chose avec Jessica. Et Jessica m'avait dit, hein, de comme moi, je ne peux pas, ton grand frère là, il est ici, hein. La seule fois que j'avais eu qu'il était au pays, c'est Nadège Bapa. Nadège Bapa. Est-ce que vous comprenez? Pour aller soigner son histoire de faible au las et lolo. Pour que son diamètre devienne lourd comme le super milk. Un maudit. Regardez son comportement là sur la toile. Qui peut d'accoriser celui-là? Quand ça parle, hein, toutes ces femmes-là, hier encore, ils se plaignaient, hein, sur Gonné, ok, les signalements de ça. Aujourd'hui, ça parle. Chantal, big up, big up, big up. Chantal, bon dimanche. Ils sont comme ça. De comment vous voulez.
Hein? Tu fimbas à la diarrhée. J'accepte. J'accepte. Du moment que c'est à moi que tu t'en as, mais prends le plaisir de m'écouter. Il dit, la reine mère bio a démontré à toute la toile camerounaise qu'elle restera Tchinda. Tchinda, oh, Tchinda. La chèvre. Ok? Voilà. C'est pour ça que je dis les Bertans sur ce monde, quand vous voyez un homme qui sort sous la couette en faisant langue-langue avec son destin, ok? Il n'est plus des nôtres. Il ne comprend rien du game là. Il est embrouillé. Il n'a pas encore bien récupéré. Parce que ce gars, quand il racontait son histoire, apparemment, il n'y a que 10 ans. Ok? Il a essayé un peu. Je suis persuadé, il est passé dans beaucoup d'organismes. Voilà. Le gars consomme des cachets. Ok? Quand vous voyez les doigts de Bertrand sur ce monde, je peux vous dire, il a été clochard. Oui, une fois dans sa vie. Ici, comme les phares de Camaraï. Vous savez que Camaraï avait repris, non? Allez, vous qui êtes à Douala ou bien Yaoundé, allez un peu dans les gars, là, partez, regardez les rats de Camaraï. Quand Bertrand Six au monde fait la marche arrière, mais mon ami, même sans parler, tu vas rigoler jusqu'à. Mais Jean, il fait ta journée. Je dis que ses yeux sortent souvent. Hein? Je ne sais pas, ce matin, il était au petit déjeuner. Regarde, il est dérangé. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes, c'est comme les Serge Anango. Regardez, c'est pareil comme Serge Anango. Serge Anango, je ne sais pas s'il avait été lui aussi injecté. Serge Anango, quand il mange avec le couteau et la fourchette, le gars là, il a peut-être cassé au moins 1 million. Et le gars, quand il mange, ah, chop, 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 il faut voir. C'est moche à voir. Et quand je vois Bertrand Sissoumane, j'ai fait tout et pour tout, hein, pour soigner celui-là. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Regardez ses doigts. Regardez ses doigts comme un écrasé de poison. Ça veut dire, le gars a été clochard une fois ici. Parce que le gars a souffert en Hollande. Des années, des années. Le gars, il va au pays, mes gens. Même si 25 francs restent, il tend la main. Il dit, donne-moi mes 25. Il vient pleurer ici. Le gars, il n'a plus notre esprit. Ok? Hein? Niketa Fernandez, big up, big up, big up. Passe dans son élément, franchement. Mais c'est ça, Nikita. Il faut les soigner comme ça. Hein? Il faut les soigner. Hein? Il dit que, il d'accord, et il fume les roulés. Et vous savez très bien, les roulés. Ok? Obligé. Ça va noircir tes doigts. Hein? Imaginez, s'il il était clochard. Ben, quand ce moment avait été injecté. Hein? Il avait été mis en état de nuire. Vous-même, regardez. Le gars, quand il est au volant, les yeux sortent. Moi-même, si comme ça, là, il sort souvent les yeux. Mais pour lui, et il a une barbe là, une poussée de barbe blanche là, moche. Hein? La machine partout, big up, big up, bon dimanche. Ça veut dire, il a une petite poussée, c'est la dépression. Hein? Quand une barbe blanche, regardez Bachot, en compte-gouttes, ces gens-là, hein? La barbe commence à pousser au lieu de pousser, hein, naturellement. Ça veut dire, c'est la dépression. Vous voyez, certains là, baby, tu coupes 30 ans, mais ils ont des petits bouts de bas, hein, de menton ouad là. Mais mon ami, ce n'est pas l'original, c'est la dépression. Une dépression. Donc, quand vous voyez Bertrand sur ce monde, hein, si on pose la question, hein, à certains là qui regardent, qui maîtrisent, on donne les vidéos de Bertrand sur ce monde. Quand il est au volant, on va dire que non, celui-ci est dérangé dans la tête. C'est celui qui fait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Parce que, hein, imaginez le gars là, il fait un cauchemar quand il se réveille. C'est sûr qu'il, hein, passe souvent cogner sa tête au plafond. Mais Jean, est-ce qu'une femme peut rester avec la carte là? Mais quand c'est ce monde, lui, il dit que même. Il dit qu'à Nikita, elle va un peu voir si son mur, quand il filme le sol, il y a toujours son ombre qui trahit. Il faut voir les patrons à Paga. Vous connaissez. Il y a un monde là. Il a dit que le gars là, c'est sûr, le gars, Bertrand sur ce monde a été clochard une fois dans sa vie ici, de souffrance. Je ne vous manque pas, mes gens. Hein? Et voilà donc alors, il dit que, il apprend aux gens à faire les gâteaux. Hein? Les gâteaux, au lieu de mettre que les gants, mes gens. Au lieu de mettre que les gants, hein, comme il met le filtre, il ne sait pas que le filtre, ben, là, hein, il dit que
Il a peint aux gens à couper la levure. Il a dédicacé à Sim. Attends, je vois encore son commentaire là. Il part à Kasse Songo. Hein? Vent bruit, tu vas souffrir. Souffre, souffre. Tu sais que Martin Yann est au Balata, à Dektetewa. Parce que, quand c'est bon, je lui dois mes gens. Allez, viens ici. Allez. Allez, bloqué. Je te sauve, mon frère. Je n'aimerais pas que tu attrapes des panaris. Tu es qu'il y a beaucoup plus que tout le monde. S'il te plaît, je suis pas méchant. Courage. C'est à quitter que de Kamamougou nous empêche de faire ceci de Kamamougou. Voilà ça. Voilà, passe au bienfait. non, Akia, Akia, Valérie, Valérie. Attends, tu sais très bien, parfois je laisse. Mais quand tu veux, il y a beaucoup écrit, et surtout dans la bétécologie. Ok? Tu lis là. Ibani Christelle, biga, 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 bon dimanche. Bon dimanche à toi également. Ça va? Je vois, je vois, je vois, je vois. Ouais, je vois. Non, il faut continuer. Tu sais qu'il y a beaucoup de nos sœurs ici qui ne maîtrisent pas. Il y en a beaucoup qui sont nés ici. Hein. Voilà. Qui aimeraient, voilà, apprendre à faire des plats, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, quand j'ai dit, je soutenais le couple Messang. Quand ils avaient fait surface. Ouais. Je disais à toutes les femmes de l'église d'aller suivre la femme de Monsieur Messang. Ne serait-ce qu'apprendre à mélanger des condiments pour faire certains plats. Ah oui, oui. Moi, je suis Menena là. Menena là. Menena là. Il est quelle heure? 10h14. Hein? Non, mais Jean, dommage pour le bloc camerounais. Voilà. On fait déjà même les, aidez-moi à détester pour les miettes. Tant dans les yeux, il est ailleurs. Ok? Voilà. Donc, ma fouette est venue répéter ce que je dis depuis. C'est un gars, c'est Waros qui fabrique. Ok? En nombre d'abonnés. Moi, je suis dans sur la part de Waros. Je vois Bertrand sur ce monde. Moi, je crois même que c'était un Européen. Et il me pose des questions, mais Waros partage un Européen. Hein? Joue. Ce qu'on joue, big up, big up. Bon dimanche. Sanguine Fongang. Et big up, big up, big up. Et Anouama. Mes grands frères Fongang. Hein? J'ai eu beaucoup mes grands frères Fongang. Ouais. Hein? Donc, j'ouvre, j'enquête sur la page. Je constate qu'il fait dans la pâtisserie. N'est-ce pas? Tac. Il faisait des directs. Hein? 2 mois, 3 mois, que 14 personnes, hein, qui ont regardé. Bon, et après, je me dis, je voyais, il sortait de la couette, hein, en faisant bisous à son chien, des langues, ainsi de suite. Bon, je suis passé. Un jour, je vois, il est déjà dans nos Kung Fu Jibarasen. Parfois, il regardait lui-même, hein, dans beaucoup d'antébectants sur ce monde, il dit, ce gars peut nous être utile. Oui, au niveau du décryptage. Est-ce que vous comprenez un peu? Piscaline dans le manche, big up, bon dimanche. C'est là où je ramène Bertrand sur ce monde. Je présente, je dis, ce gars peut nous être utile. Parce qu'il avait fait un bon décryptage. Ok? Ça veut dire, analyser nos directs. C'est le couloir que moi, je lui avais donné. Sachant que oui, il ne maîtrise pas nos choses. Hein? Il ira de gauche à droite, il va se faire des ennemis. Est-ce que vous comprenez un peu? Et le mec, je constate que parfois, il prend des partis pris, il est de gauche à droite, parfois, il soutient Flore, et en même temps, hein, il framponne, comment, il valorise une personne qui framponne, donc il est comme ça. Et moi, j'avais dit, lui, il ne comprend pas le game. Il ne peut pas être dans une team, hein, à part s'il est vraiment dans une team. Même s'il est dans une team, il va créer beaucoup de problèmes dans la team. Même en amitié, tu ne peux pas. Nous qui avons été éduqués au pays, et lui
qui a passé tout le temps, peut-être que dans les centres de je sais pas quoi ici, hein, parce que lui, pour lui, c'est déjà, il est européen dans la tête. Même ses analyses, quand ça voit, donc c'est dans le Fujibrasin, il va apprendre être framponné. C'est lui, il est fragile. C'est lui qui demande vite pardon. Et c'est lui qui cherche les problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez-moi. C'est lui qui me prend encore en sandwich l'autre jour en disant que oui, ce que les Patricia Miel et consorts disent, voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est comme ça. Comme il voit que c'est du Canada, là. Hein? On parle de la visibilité. Et donc, il faut soutenir celle du Canada. Dit que oui, elle a raison pour essayer aussi de gratter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, Bertrand n'est plus des nôtres. Voilà. Son cerveau a été bousillé. Beaucoup de problèmes. Il vous dit, il a beaucoup souffert. Quelqu'un qui a dansé sur les barres de fer, dans des barres dancing, comme un serpent, les mambas verts, hein, les mambas noirs et consorts, tous ces serpents-là qui grimpent, oui, ils dansaient. Quand vous voyez l'habillement de Bertrand sur ce monde, mais oui, Marie, Noël, Loi, quand vous voyez, avec ses pantalons à paga là, hein, c'est le milieu qu'il a fréquenté. Ça veut dire qu'il a été courbé. Quand vous voyez ses yeux de Bertrand, il est ailleurs. Je dis, ce gars fait des cauchemars dans la nuit. Et quand il fait un cauchemar, quand il se réveille, ok? C'est le cri du voisinage que vous voulez, y'a. Hein? Regardez comment il se comporte souvent avec Dest. Il crie sur Dest. Mais il est content quand ça lui fait les bouche à bouche, les bisous. Non, je vous dis, ce gars beaucoup, Bertrand sur ce monde que vous voyez là, il a il est dérangé dans la tête. Regardez quand il mange. C'est comme quelqu'un, il est tellement embrouillé. C'est lui qui prend jus d'orange. C'est lui, il ne sait pas si c'est les madeleines. Ça part un peu de partout. Hein, là, sa barbe blanche en compte-gouttes. Hein, il est dérangé. Ce sont les yeux. Comment tu peux être en train de te féliciter? Tu prends ton petit déj. Hein, et tu es nerveux. Les yeux sortent de l'orbite. Hein, quand je m'en ai big up, bon dimanche. Ben oui, j'ai dit que Nikita, moi quand je fais mes déclarations, j'ai dit, je pars chez lui, c'est parce que même sans parler, il est marrant. J'aime quand il fait la marche arrière. Vous avez vu quand, comme la reine Mébio a dit que elle dépasse toutes ces femmes-là, et toi tu viens dire que oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais Sylvie, il dit, Bertrand, quand il a raconté son histoire, que ça fait 10 ans, il s'est rattrapé. Mais oui, il y en a beaucoup, on enlève dans la rue. Vous-même, vous voyez les ceux qui portaient des cuirs bizarres avec des grosses paires de chaussures noires, hein, qui sont tout le temps en train de commander avec des chiens là dans la rue. Regardez, Bertrand, il est dérangé. Il ne comprend rien. Et c'est lui qui a peur des insultes, c'est lui qui provoque, et c'est lui qui vient encore demander pardon. Et après, tout le monde dit, celui-ci ne peut pas être un soutien. C'est pour ça, parfois, Nikita, là, tous ces jours-ci, il fait des directs. Il y a qui? Il aboie une heure. Tu arrives, il y a deux partages. Alors que, parfois, il prend de l'élan. Il se comportait bien. Après, lui-même, il vient encore gâter. Il déçoit les gens qui était déjà habitué. C'est ça le truc. Il n'arrive pas à comprendre. Il va de gauche à droite. Voilà. Non, c'était ça le truc. C'est ça avec lui. À chaque fois, il se réconcilie avec Ducamel. C'est lui qui revient. Là, comme un petit gars.
Hein? Bon, et comme Ducamel dit, bon, voilà, tac, 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 tac. Ducamel, lui aussi, il repart là-bas, là. Après, tandis que Ducamel, lui, sait que, oui, il a récupéré son homme. Voilà, la paix s'est installée. Anouama, il y a un sujet là où, on framponne Ducamel. Le gars prend sa hé, hey, maman, oh, il a sur une façon, oh, maman. Elle a dit que, je me mets sur la place de Ducamel. Est-ce que oui? Nikita, toi-même regarde, regardez, ainsi, Félix, vous-même regardez, hein? Et c'était bon à moi, j'ai rigolé. Il était souvent, quand il gâte, vous connaissez Ducamel, il te fuit d'abord. Après, un moment, tu vois, c'est Maya dans ce direct. Il est tout malheureux. Il n'y a pas, hein, vous commencez à dire que vous avez gâté l'amitié avec mon amitié avec, Ducamel. Bo. Quand il dit ça, un direct, deux directs. Après, le troisième, la troisième fois, c'est dans le direct de Ducamel. Quelqu'un. Et que, on, mais mon ami, je passe. Mais mon ami, le gars, lui, ne passe pas, hein. Mais quand c'est ce moment, le gars, à chaque fois, il frappe en lui. Et c'est Ducamel qui réaccepte, hein. Dit que bon, voilà, j'ai compris. Il finit encore de draguer Ducamel là dans le direct de Ducamel. Ducamel dit, c'est toi qui fais ça en sorte qu'on se gâte. Je t'avais dit que on peut faire nos choses, hein. Ta, 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 ta. Mais toi, à chaque fois, il dit pardon, il demande pardon. Et il rentre en Ferrari. Son premier direct, voilà, il parle. Il va parler de ça. Tac, 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 tac. J'étais dessus du camin. On a résolu nos problèmes. Maintenant, nous sommes devenus partenaires. Et comme lui, les buzzers qui font mouche sur la toile, il veut toujours mettre sa bouche. Mais comme le nom de du camin sort toujours partout, c'est parti donner raison à la personne qui frappe du camin. Après, quand je vois ça là, Jean Calot dans du camin, pour essayer un peu de voir dans quel état d'esprit se trouve. Mais, franchement, mais classe sur ce monde, il ne faut pas. Hein? Il ne faut, il dit que lui, pour lui, là, c'est la magie. Sa qualité de dépression, là. Hein? Ou alors, c'est la magie. Mais classe sur ce monde. Ok? Mais mon ami, comme ça, hein? Il est comme ça. Regarde, le cul de la reine Mère Bio aussi, là où ça donne des raisons à la reine Mère Bio, comme il voit que, en ce moment, hein, tout le monde est là-bas, là, tu comprends, non? Il veut aussi peut-être gratter. Bon, c'est des questions que je me pose, hein. Ou alors, il est vraiment sérieux, dit que oui, la reine Mère Bio, elle dépasse tout le monde. Non, mais clairement, justement, elle est chiche, la reine Mère Bio, hein. Elle ne partage pas sa visibilité. Et non seulement, est-ce que c'est sa visibilité? Non. C'est pas sa visibilité. Tu sais très bien, hein, elle s'attaque au qui, hein, et tu sais très bien, les Mangdiata, ce sont les ennemis, hein, Bertrand est maintenant chez Boro Sangui. Il était dit que, mais si Bougalama, voilà un qui a passé, a dit que oui, je ne suis dans aucun team, je ne peux pas faire ceci, mes combats sont, hein, je pose donc alors la question que bon, ça valorise Diamant Bleu, hein, est-ce que Diamant Bleu a changé? Hein? Hier, yeah, ça framponnait Diamant Bleu proprement. Hein? Est-ce que hier, yeah, aujourd'hui, il y a eu quel changement? Voilà encore, c'est mon gars, la honte de ça. J'aimerais que tu parles aussi un peu de ça. Oh, ne, à ce final. L'assaut final, je t'avais prévenu. Ça va se passer ici à l'église. Tu comprends? Et tu sais, quand, et comme ça, les filles qui t'ont suivi à l'époque, pour ça, j'avais dit, je comprends pourquoi certaines femmes tombent souvent amoureuses de leur violeur. Ici, j'ai vu ça ici. Ça pas tombé enceinte au parloir. Ça veut dire que quand t'avais violé, agressé. Ouais. On met la personne en prison. Toi, dehors, tu restes tombé amoureuse. Tu pars au parloir. Tac, tu pars te marier en prison. C'est ça. Ouais. Où est la crédibilité dans tout ça? Hein? Venez à Boyau Noir, bo, menacer ci, menacer là. Menacer ci, partout où tu passes, à la base, tu es passé.
Voilà donc alors, vous étiez comme ça, nombreux à la base. Vous avez détruit peut-être au travail des vrais combattants. Une belle stratégie. L'eau que nous avait parlé, le professeur Niamsi, oui, c'est pas tout le monde qui parle après des réunions. Parce qu'il avait constaté que les vous comme ça, les manipulateurs comme ça, là, oui, dès qu'on ouvre les portes, tout le monde allume le direct, même des électriques qui ne maîtrisent rien du tout en politique. Ouais. Les professeurs Niamsi parlent. Hein? Il y avait des grosses têtes là-bas à la base. Ça parle. Vous aussi, vous parlez. Tu es là. Je parle, c'est pour continuer à faire comprendre aux gens que Mikalga, quand vous êtes avec une catégorie de personnes, ça vous ramène que de la poisse. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Des personnes qui sont au noir. Voilà. Au noir. Vous ne connaissez pas. Ainsi de suite. Parce que ça fait dans la manipulation. Oh, je te remercie, diamant bleu. Voilà, nous allons bien travailler. La honte de ça. Et il y a quoi? Il y a quelques changements hier, aujourd'hui, sur diamant bleu. Ça va que de pire en pire. Oui. C'est mon gars qui est là-bas, là, qui discute les autres qu'on tote ailleurs, à que quoi, Léon. Tandis que, il est censé être à Rouen. La honte de ça. Parler aussi ça, de ça. Dis en part ton diamant bleu, que dorénavant. Ok? Qu'elle part aussi chercher un vieux Watt. Ok? Voilà. Aucun de nous, elle ne mérite pas. Elle a échoué de partout. Ok? Elle est quittée au pays. Elle n'avait jamais été autonome. Elle n'est pas celle-là qui pouvait composer un dossier, aller déposer à l'ambassade pour venir ici. Non. Et les dates de paye, hein, ça maîtrise tout. C'est en ce moment-là qu'elle maîtrise. Abe 10 et qu'on sort. C'est ça, là? Hein? C'est ça, diamant bleu? Toi-même, tu ne travailles pas. Toi, même les gens qui aident, qui se servent de pont, ok? Parce que les bienfaiteurs n'ont pas le temps. Vois que diamant bleu, elle est comme un pont. Les bienfaiteurs n'ont pas le temps. Normalement, c'est comme ça, ça devrait se conjuguer. Les donateurs, les gens, les personnes au bon cœur n'ont pas le temps. N'est-ce pas? Elle est pont. Je peux comprendre. Mais quand elle dit que ce sont ces orphelins, elle vous manque quoi car, oui, pour vous flatter. Quand elle dit un bon mendiant, aïe, c'est flatté. Elle vous manque quoi? N'est-ce pas? Je vois souvent, voici ma part, moi-même j'ai mis ça. Aidez-moi, voilà. Mais elle nous a dit que elle a commencé le travail de Matilan, comme les nous comme ça là. Hein? C'est où? Elle est sortie deux fois. J'ai bol avec sa pack. Hein? J'ai bol avec ça. Arrêtez ça. Hein? Essayez un peu de vous rendre crédible. Hein? Je vais encore te donner ce nom-là. Est-ce que les histoires de maman pépé, maman pépé, rien que la grosse gueule, c'est mon gars, c'est mon gars. Les autres disent que tu es ma mariée. Voilà ça, pack. Ton gars, tandis que tu annonces ton gars dans la chambre, sur Rouen, hein? Il met les bagarres à Orléans. Ouais, ouais. Il met les bagarres. Ça discute les autres contacts. Et toi, qu'est-ce que tu vas encore nous dire? Hein? Je vois les gens te soutiennent. Bouboubou, tu es dans ma boss, Nathalie Babalé, ma boss, eh, à nous, maman, Nathalie Babalé, dors! Que nous y voyons, non? Que nous y voyons, moi, je vais te sauver. Laissez-la, Anne Gaumont. Elle est là-bas, là, chez sa mère. Allez, Adida, 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 Adida. Maman, j'ai envie de boire une petite soupe. Hein? Elle est là, elle touche son ventre là, Anne Woma. Le ventre ancre comme un été doré. Hein? Quand une femme est enceinte, le nombril est ressorti avec un ventre bien ferme. Hein? Mais toi, Adida, 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 maman, maman. Tandis qu'on dit que de comment mourir vieux, il ne doit pas rester à côté de sa maman. Hein? Vous-même, minomi cop. Hein? Adida, 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 Adida.
S'il te plaît. Moi, je vous dis toujours, l'église ici est là pour vous soigner. Oui, surtout quand sa voix vous traversez, ah, tu as besoin de turbulence, la dépression là, au Calga, s'il te plaît, Nathalie Babali. Hein? On a compris. Hein? Tes poches, donne un peu. Tu ne dors pas. Cauchemar, tout. Ça veut dire, Frédéric l'avait dit, hein, quand tu es dans les crèches, tu fais des cauchemars. Qu'est-ce que je vais dire à mon adversaire? Et toi, Eminal, la bête écologie, c'est ça, vous vous noyez. Donc moi, j'ai fini. Hein? L'eau qui est là-bas, là, à nous, nounous. Hein? Allez-da. Maman. Hein? Je te dis, les photos que tu publies là. Alors moi, je me sens viril là. Hein? Viril là. Hein? Vous êtes là. Hein? Regardez-moi une femme. Elle est comme ça, là. Comme la petite race des pommes de terre, là. Aucune forme. Ça veut dire de sa tête, son gros nez, là. Hein? Avec la circulation, hein. Non. Hein? Patricia, il dit, elle est comme dans un lit. Bi de bois. Aïe, maman, j'ai envie de consommer le, hein. Hein? Ah, non, maman. Il dit, faut qu'un big up, bon dimanche, ma personne. C'est comment? Hein? Non, il faut arrêter ça. Je n'ai jamais vu ça. Hein? Les autres qui sont tellement mariés, on les voit faire des petits bisous, des petits câlins. Abe piscina. Hein? Abe resto, abe ceci. Hein? Quels sont vos maris? Du caméra dit que monsieur Gaumont, il est où? Bipez-moi un peu du caméra, non? Hein? Viens un peu. Tu prends sa vieille ferraille avec tes seins qui arrivent, tes tétons qui arrivent jusqu'aux ongles des orteils, tu montes au monde entier. Ton mari est fier de ça. Voilà ça, non? Hein? Hein? Karine Nikes a besoin de big up. Hein? Il faut voir. Et les deux femmes là, je ne sais même pas. Hein? Quand je vous dis qu'il y a une catégorie de femmes là, elles n'ont jamais joui. Les voilà, hein? Les voilà. Les femmes qui ne peuvent pas, hein, être dans un lit et man finette, ben, aller, ben, bille de bois. Tu vas faire comment, toi, l'homme? Hein? Pour les fins de demain. Hein? Hein? Tu es dans les Guinness comment? Lancez l'appel. Hein? Lance l'appel. Attends, je t'envoie. Impossible d'ajouter. Pourquoi? Ok. Est-ce que c'est bizarre? Hein? C'est un peu bizarre. Bon, bref, bientôt j'arrête même le direct. Hein? Tu es dans les Guinness. Bois ta chaud dans les Guinness. Hein? T'es contente. Enfin, j'ai eu cette opportunité-là de dire aux gens des choses sur Fleur de Lille. Et t'es bien contente, bien heureuse. Oui, la stamania de ça, conjugué, mais au jour d'aujourd'hui, voilà. Donc, merci, mes gens. Voilà. On se reprend tout à l'heure. Moi, je passe au prud'homme demain. Voilà. Je passe au prud'homme demain. Pardon. Je passe au prud'homme demain. Voilà. La première fois que j'ai pas un ego en justice, depuis que je suis né, les prud'hommes, c'est pas pour m'envoyer au béton, hein. Non. C'est pour me mettre dans les poches. Est-ce que vous comprenez un peu? N'ayez pas peur. Les prud'hommes ici, là, hein, ce n'est pas comme les palais de justice. Ici, on n'est pas en prison. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de prison ici. Les gens prennent les 8 ans de prison. Au bout d'un an, vous voyez, ils sont dehors. Hein? Voilà. Donc, une fois de plus, un bon dimanche à toute la toile camerounaise, à toute la famille africaine, un bon dimanche à mes décommis, mes fidèles, mes déclatés les plus assidus, mes déclatés qui veulent ma descente. Même vous ne voulez pas ma descente. Voilà, on ne peut pas être assidu comme ça. Elle méprise. Donc, y a-t-il? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, dès que vous faites l'anguille, tac,
la magre de magre, du mot laboratoire, elle ne souffre pas, hein. À Noël, elle est là. Pâques, tu fais bien. Elle te dagorise. Voilà. Elle est membre ici. OK? Ce n'est pas en étant membre, hein, qu'elle profite pour faire son blog. Non. Elle fait son blog depuis. Et n'oubliez pas que la magre de magre, elle framponne mal. Mal. Allez demander à Elise Battante. Allez demander. Donc, la magre de magre, comme vous voulez toujours, vous avez profité d'elle, vous tous. Oui, vous tous. Quand elle dit profiter, pas les sous, hein, pas des sous. Je parle de son fonctionnement là sur la toile. Les soutiens que ça apporte à tout un chacun, tout le monde. Vous avez conjuré son nom. Voilà. Un bon dimanche à la magre de magre. Voilà. La diaconesse, Matt. C'est la jalousie parce que tu vas souvent de gauche à droite. Quand tu vois ça, tu dis non. Parce que si tu étais abonné, un big up. Oui, et un bon dimanche à la famille. Vous êtes des femmes mariées. Ouais, depuis que vous êtes auprès de moi, est-ce que je vous appelle? C'est dans la bulle. Voilà. Et celui qui était là pour vous prendre la tête à 4h du matin, ben c'est ici. OK? Voilà ça. Et vous savez très bien comment moi je me comporte. Oui. Comme les autres sont là, ça démontre au jour d'aujourd'hui que Bébé Sigbe leader, ça gratte partout, les reines même bio et consorts, il faut gratter partout. Moi, je suis un leader. Voilà. Qui a ces personnes auxquelles on ne doit pas toucher. Surtout avec ça, l'anguille. Quand ces personnes-là ont les problèmes, oui, je me laisse de côté. Mais vouloir salir un truc qui est dans notre, qui est une référence dans notre Fujibara, je ne peux pas accepter ça. Surtout quand tu as profité de ça. Surtout quand tu as ouvert les dents. OK? Et remercier que oui, grâce à toi, j'ai pu dégager ce qui était dans mon fond intérieur. Donc, il n'était ça. Cerveza et anoma. Elle ne dit rien. Rien. Voilà donc alors. Le Foja, big up. Big up. C'est comment non? C'est qui mon petit? Bon dimanche. Parce que balle perdue. Voilà. Un jour j'étais ma chose ici là. Tac. Ma nièce. Hein? Ma nièce. Ta nièce, y'a. Hein? Et quand ta nièce t'appelle, toi, Kimbo Jimbo, que oui, mon oncle. Hein? Tu n'es pas content? Ou alors, mon nièce, et un homme à l'enclin en matière de ça. Eh ben, belin, bonjour. Hein? Donc, c'est bien ça. Un bon dimanche à la famille, à monsieur, aux enfants. Voilà, tout simplement. Je suis content parce que vous êtes des femmes mariées. Voilà. Vous êtes des femmes mariées. Vous êtes avec moi ici. Est-ce que je vous appelle? Je sais là où on peut se voir. Mais je n'arrive pas à répondre à vous. Bonjour. En gros, non. Hein? Donc, un big up. Moi, je veux rester en Caïman, hein, Belin. Parce que moi, je sais que je veux encore qu'on revienne sur moi, de laisser l'hypocrisie là. C'est moi, je framponne. Quelqu'un n'envoie pas de comment vous faire comme ça là. Il regarde ce qui se passe sur la toile. Voilà. Donc, Mère Daloa, tu resteras toujours Tinda. Je croyais qu'on a un leader avec tes bio. Tu te réjouis d'une, sur la vie de mes enfants. Moi, me pose la question. Le couple me sent. Le couple amour, nous tous là, ok? Vous qui avez décidé de faire bonne chose, ok? Moi j'ai dit l'église ici. Le lot nous avons fait, hein? Non, j'ai dit, Lolo, moi quand je parle, tu es celle-là qui peut te dire, moi, j'ai déjà dit, quand je suis avec toi, de tout cœur, ok? Voilà. Ne va pas là où on va te manipuler. Hein? On va te manipuler. Et fais ça.
les gens profitaient de toi pour me salir. Ça avait été ça. Oui. J'avais la sauve finale. C'est ici. Mais pas pour conjurer ces bêtises-là. Pour que les, certaines personnes sentent dans leur tête. Ouais. Sentent dans leur tête. Moi, je suis comme ça. C'est moi, je suis venu ici. Ok? Celui qui ne pardonne pas n'est pas libre. Et celui qui ne demande pas pardon après avoir fauté, non plus n'est pas libre. Moi, je suis un protecteur. J'ai toujours protégé mon entourage. Toujours. Personne ne viendra dire. Même Isaac Amla. C'est moi qui parle vers Isaac Amla pour comprendre pourquoi et pourquoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et j'avais compris qu'elle avait beaucoup de soucis. Comme tu as Boza. Et en plus, il y avait une Camerounaise qui était morte au désert. Qui faisait le buzz. Parlez du Boza, tu es une femme. Vous avez vu? Vous avez vu? Moi, quand je suis dans une bulle avec les gens, même ma propre bulle, je ne vais pas là-bas tout le temps. Je pars, je fais signe. Est-ce que vous comprenez un peu? S'il y a des discussions, allez, je laisse mon petit voice, ainsi de suite. Tac, je suis parti. Je me considère comme un leader. Faut pas venir, hein? C'est comme ça. Donc, non, laisse, Sylvie, tu sais que Sylvie et Wario, tu sais parfois, tu aimes ta personne, n'est-ce pas? Mais tellement ta personne, tu aimes, tu boudes, non? Nous sommes comme ça là sur Facebook, non? Hein? Vous-même, je vous ai dit, Wario, là, est-ce que c'est même une personne, même il faut me s'énerver, hein? Quand vous voyez Warios là, Warios a aussi besoin d'être, a besoin de câlins. Hein? Pourquoi vous ne comprenez pas souvent les caprices? Warios, elle a cette jalousie là, elle aime garder sa personne, ainsi de, il faut seulement comprendre. Donc, bref, non, tu n'as pas compris. Parce que tu es un homme vrai. Hein, qui aime. Bah oui, Lolo. Non, Inez, c'est pour ça que je me suis énervé l'autre jour quand j'avais prononcé Monsieur Fouja. Ce n'était pas pour frapponner Monsieur Fouja. Parce que moi-même, j'avais dit à Loulou, n'est jamais. C'était pour faire comprendre à ceux-là qui prennent ces images, hein, que lui, il ne peut pas empêcher, c'est-à-dire son départ ne peut pas toucher une femme comme Loulou. Voilà, je ne sais pas, Loulou, c'est encore une gamine que l'Ondoro, hein, elle va maigrir. Non. Et vous comprenez? Donc, ça veut dire, j'étais fâché parce que moi, on prend mes images comme ça là, pour utiliser mes images pour frapponner mon ex. Je vous prends, je vous lave proprement et vous demande de laisser mes images tranquilles. Même si je fais ça, c'est pour ça, les hommes comme les bachos, je ne peux pas les considérer. Je ne vous manque pas. Je ne vous manque pas. Vous sentez vraiment que le gars de la haine, ça veut dire il peut faire aller se ridiculiser chez des femmes qui ont passé tout le temps à péter. Il venait encore se plaindre chez moi. Ça ne fait même pas un mois et demi pour grogner que voilà quelqu'un que tu supportes. Tu dis que c'est une belle personne. Voilà ce que ça me fait. Hein? Un pleureur comme Bacho comme ça là. Hein? C'est les mêmes hommes. Je dis ces hommes-là, quand ça se sépare avec un gars, ça se comporte comme les bachos. Quand nous revoyons les remembers, ok. Lolo, fait tout et pour tout. Voilà. Vous avez des concepts. Voilà ta sœur, Arcana, amenée vénémentielle. Le reste là, il faut s'en foutre. Chacun son couloir. Mais, le grand Barak avait dit, utilisons-nous vivants. Nous sommes bien des vieux pots, hein. Vous ne croyez pas que, oui. Nous sommes, profitons. S'il y a moyen de profiter, profitons. Ok, mais je vois il y a les non du camé, c'est un peu, c'est pour ça que je suis parti refouiller tes remembers. Tu sais quand moi je veux taper, je veux faire comprendre, hein, à quelqu'un, parce que pour eux, comme moi j'ai pas été à l'école, ils peuvent venir là conjuguer les gros mots là, hein, pour éblouir les gens. Non, vous avez vu comment Bacho est derrière moi comme ça, pac, pour Nadège Bapa, à cause de Nadège Bapa. Regardez très bien, le gars est tellement rancunier, de toutes les façons, du camin. À chaque fois, il faut que je te dise la vérité du camin, regarde.
Moi, la carte, elle ne peut pas accepter. Hein, tu comprends? Ça veut dire, même moi, à la place de Nathalie Babalé, hein, les 200 étoiles que Bacho peut mettre là-bas, là, tu comprends? Je ne prends pas ça. Je te framponne encore propre. Hein? Le gars, hein, tu camènes, je t'avais framponné que comment tu peux ridiculiser quelqu'un comme ça, là? Que tu ne lui as pas donné le temps. Regarde comment il avait pleuré, les parties nettoyées, les yeux. Deux fois, il a quitté le plateau. Deux fois. Tu lui avais mis, pac, il est resté comme ça. Mon type, il sait que cette émission, hein, c'était pour que tu me mettes sur un grillage. Et alors? Hein? Et moi, j'aimerais que maintenant là, hein, maintenant on dit, paix. Oui, si nous sommes vraiment sérieux, hein, retrouvons-nous dans les mouvements, on fait le mouvement, on rigolons, hein, si nous rigolons, hein, mais il faut des personnes vraies aussi. Voilà. Hein? Non, tu sais, Lolo, les classes ne peuvent pas finir, mais ça dépend. Là où on part déjà creuser, là où on manque déjà, on manque de respect. Faisons que quand quelqu'un vient, peut-être là sur la toile, hein, une mauvaise graine, ok, tapons ça, disons que nous ne voulons pas de ça. Si tout le monde, quelqu'un vient mal se comporter, tout le monde sort et dit, nous ne voulons pas de ça. Oui? Hein? Quels sont ces produits qu'on vend en insultant les gens? Voilà. J'ai fait un direct avec Lolo, le premier, là où les gens voulaient un peu beaucoup de Komamugu est venu pour la paix. Voilà. Utilisons-nous vivants. Ok? Chacun a son couloir. Oui. Même en politique. Ça veut dire, il y a souvent, comment on appelle ça là, hein, quand il faut faire bonne chose. Les gens qui veulent rester là, hein, mets dans l'oie, s'il te plaît, dors. Je ne te manque pas. Hein? Je ne te manque pas. Dors. Kolouya. Hein? Ou alors achète des lunettes noires. Comme notre père, tata Marita là. Hein? Parce que surtout quand tu manques, tu ne regardes pas les followers. Tu es comme ça. Et on voit comment, hein, tes poches là, hein, les dos d'âne, il dit, nous ne voulons pas de ça. Voilà. Et dites-moi là où Mandiata a changé pour que vous puissiez appeler diamant bleu. Elle fait quoi? Anedie Asuna top diamant bleu. Dépression. Donc, Abimte. Voilà, et merci beaucoup. Moi-même, je reste en caïman. Moi, j'ai dit, je préfère encore continuer à me publier ma laideur là. Laissez ce qui vous a été utile. Hein? Elles étaient bien contentes quand tu partais intervenir là-bas, là. Hein? Ainsi de suite. Hein? Hier encore, elle partageait mes trucs. Hein? Elle dit que oui, de Komamugu. Hein? Hein? Elle partageait mes trucs. Elle a mangé l'argent avec mon contenu. Sans compter gros nez. Alors ma gros nez, elle est comme ça là. Il y a une race de pommes de terre là. Elle n'a ni rien. Rien. Celles qui au Canada sont derrière, c'est au niveau du dos. Voilà. C'est au niveau du dos. Ces talons, c'est comme le menton d'Averel. Vous connaissez chez Lucky Luke, Averel. Voilà, le plus grand des datons là. Le menton. Si vous voyez la reine, mes bio, c'est menton. Hein, c'est talon, mais mon ami. C'est un faux diamant. Il te dit que... Diane, on est big up. Donc, merci mes gens. Voilà, tout à l'heure, hein, je vais faire un direct, vous allez m'accompagner. Amadouna Af, il m'avait préparé, voilà, mon prud'homme. Voilà, Nikita Fernandez, big up. Donc, monsieur Van Bruy, je t'avais prévenu, l'assaut final sera dans cette église. Et c'est là, la honte de ça. Ah, la honte de ça. Et là, peut-être que, on viendra me donner raison que non, c'est la jalousie. Parce qu'on te ravissait la vedette. Hein, quand j'ai... Vous savez très bien, dans le blé, quand ça a lancé les trucs, tous les gars là, j'étais là-bas là. Voilà donc alors ces pleurs. Et où?
hein, pour venir t'aider à faire la sous-finale. Patou Ebonga, qui est le frère de NJNJ, Anehe, il n'est pas ici à l'église. Donc, big up, et bon dimanche une fois de plus. Et merci. Ceux qui ont partagé, ceux qui ont caressé leurs jolis doigts. Vous pouvez encore caresser, hein, c'est pour notre église. Ici, c'est à joie. Les gens viennent ici. Il y a des couples qui ont des pommes à la maison. Et vous êtes toujours dit, tant que deux personnes sont à la maison, il faut toujours que une se retire. Et quand ça vient ici, à l'église, en deux chevaux, ça prend la joie. Ça peut aller résoudre les problèmes. Ça rentre maintenant en Ferrari. Bien réfléchi. Voilà le problème. Parce que il faut toujours que, hein, baisse le singa. Toi qui es venu à l'église, hein, tu prends les vibrations tempérées de Komamou. Quand tu rentres, hein, si, voilà, ton chocolat, tu rentres, fais comme de Komamou. Tu commences à partir. Elle m'a fait, non, tu fais, c'est ça. Tu sors de l'église en Ferrari, le sourire. Vois seulement là où il y a la haine là. Comment ça coulisse, ça coulisse, ça coulisse, ça coulisse. Il faut voir là où il y a la haine, hein. La chapelle est ouverte, venez. Non, on va reprendre. C'est depuis la chapelle a été ouverte. Depuis, là, la chapelle. Mais les portes ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de fidèles qui sont dans des vraies églises. Voilà. Demain, c'est lundi, benabe, je sais pas. Voilà. Quand elles auront du temps, ben, c'est une église, ben, c'est au évangile. Voilà. Tout simplement. Voilà. Lolo, moi, j'ai vu, tu sais que moi, j'ai toujours dit, Waros était là-bas, là, avec les rêves biaï. Moi, c'est ta personne. Voilà. Vous savez, vous vous connaissez. Voilà. Maintenant, toi-même, on est maman à paix depuis là. Voilà. Ok? On peut souvent, vous pouvez faire vos plateaux. Moi, j'ai aimé le plateau d'hier. Le plateau d'hier, les gars là. J'étais là. Ça se piquait, ta, 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 ta. Voilà. C'est comme ça. Donc, big up, big up, big up. Et merci.